Vous priez 5 fois par jour. Oui. Je regarde, comme j'ai une famille musulmane aussi, je le regarde, vous faites toujours le même geste 5 fois par jour. Effectivement. Pourquoi vous répétez toujours la même chose pendant toute votre vie? C'est comme tu demandes à un médecin, pourquoi tu me prescris le médicament ou bien les mêmes médicaments de les prendre 5 fois par jour à un médecin, par exemple. La première prise à 5 h du matin, la deuxième prise à 13 h, la troisième prise à 16 h, la quatrième à 18 h 30 et la cinquième à 19 h. Mais docteur, pourquoi tu me prescris le même médicament? C'est pour ta santé. C'est correspondant aux 5 prières de l'islam. Jésus faisait la première prière à 5 h du matin. Marc chapitre 1, verset 35, matin, quand il faisait encore très sombre, Jésus s'est levé pour aller dans un lieu désert où il est allé prier, correspondance à la première prière d'un musulman. Matthieu 26, 39, Jésus est allé un peu plus loin, il s'est prosterné le visage contre le sol et il priait Dieu. C'est comme ça que les musulmans prient Dieu. Exode 40, verset 30 à 31, Moïse et son frère Aaron ont mis de l'eau dans la cuvette et ils ont pris l'ablution comme l'Éternel leur a recommandé, et ils ont lavé les mains, les pieds, ils sont allés dans la tente d'assignation pour aller adorer l'Éternel. Avant d'entrer dans la tente d'assignation, Exode chapitre 3, le verset 5, ils ont enlevé leurs chaussures, conformément à la sourate 20, verset 12, enlevez vos chaussures avant d'aller adorer l'Éternel Dieu. Les 5 piliers de l'islam, les 5 prières quotidiennes de l'islam, Allah est dit dans le Coran, sourate 20, verset 12 à 14, c'est moi Allah, adorez-moi donc, accomplissez la sourate pour vous souvenir de moi. Nous accomplissons ça pour nous souvenir de l'Éternel Dieu. Quelqu'un a besoin forcément d'une audience avec le président de la République tchadienne, par exemple. Il faut une audience et tout ça. Alors que nous, on n'a pas besoin d'audience avec le président, on n'a pas besoin de protocole. Voilà, je voulais dire protocole pour avoir une audience avec le président de la République, l'Éternel Dieu. Donc, nous sommes en contact avec lui 5 fois par jour et il faut prier. Jésus a dit, priez autant de fois que vous voulez. Daniel priait 3 fois par jour. Et il s'orientait pour prier, il ouvrait la fenêtre pour prier. Jésus priait autant, il dit, priez autant de fois que vous voulez. Donc, nous prions 5 fois par jour, les juifs priaient au moins 3 fois par jour. Et voilà, Daniel également, pareil, les chrétiens aujourd'hui peut-être prient une fois. Bon, je vais parler du dimanche par exemple, mais ça sont les choses qu'on va revenir. Donc, la prière musulmane, les musulmans ne prient pas comme on veut, Migo. Nous ne prions pas comme on veut, mais on prie comme Dieu veut. On n'adore pas Dieu comme on veut, on l'adore comme lui-même il veut. On ne récite pas ce qu'on veut, on récite ce que lui veut. On ne s'oriente pas où on veut, on s'oriente où lui veut. On ne se présente pas comme on veut, on se présente comme il veut. C'est comme par exemple qu'il met une puce dans ton téléphone portable. Il faut capter le réseau. Donc pour prier le musulman, il faut qu'il s'oriente d'abord vers la direction des prières. Et c'est ce que Daniel faisait. Quand il est monté dans la...